tout le monde, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien parce que oui, je suis en vacances, enfin en vacances, après 8 putains de semaines. J'espère que vous imaginez le truc, 8 putains de semaines. Non je déconne, c'est passé plutôt vite hein. J'ai fait vraiment gaffe hein, parce que j'avais pas mal de trucs à faire, mais enfin là ça fait du bien d'être en vacances hein. Quand on sait qu'il y en a qui rentrent, et bien il y en a d'autres qui sont en vacances. Ah là 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 là. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour un épisode de l'épisode 2 de la campagne de StarCraft 2. Et oui, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait hein. J'avais commencé mais j'avais pas continué. Alors je me suis dit tiens, j'ai envie de faire du StarCraft et de vous faire partager un peu la campagne, d'autant plus que le nouveau StarCraft 2 Heart of Swarm, je crois qu'il se nomme ainsi, ouais, où il y aura la campagne des Zergs, sort la semaine prochaine, enfin pas la semaine qui arrive, mais la semaine d'après, je crois, et il risque d'être tout simplement énorme. J'avais eu l'accès à la bêta, mais malheureusement, elle s'est terminée et j'ai pas eu le temps de vous faire des vidéos dessus, malheureusement. Je m'en excuse hein. Et bon, avec le problème que j'ai eu avec mon PC qui n'est toujours pas réparé hein, d'ailleurs il aurait dû l'être peut-être cette semaine, je vous l'avais dit, mais en fait non. Bon, j'espère la semaine prochaine, mais là je peux vraiment pas vous dire précisément quand il sera réparé. Enfin bref, on va continuer cette merveilleuse campagne. Donc c'est parti l'émission. Je réfléchis juste. Ah oui. Donc je ne sais pas si vous avez constaté hein. Normalement hein, vous êtes pas bigleux. J'ai tout redesigné sur ma chaîne. J'ai refait mon logo, le background et toutes les miniatures hein. J'avais envie de changement. Eh bien je me suis fait plaisir hein. J'ai travaillé pendant, enfin entre guillemets travaillé quoi, je me suis creusé un peu la tête pendant 2-3 jours et voilà ce que ça donne. C'est pour ça que j'ai pas eu vraiment eu le temps de faire des vidéos, mais bon. Bref, passons, c'est parti pour la mission. Grâce à votre intervention, Marsara est maintenant entrée en révolte ouverte contre Arcturus Mexc. D'après l'ancien détenu Ticus Findlay, la présence du Dominion sur Marsara est motivée par l'excavation d'un artefact de facture non humaine. L'appropriation de cet artefact portera un nouveau coup au Dominion, et sa vente aux mystérieuses relations de Findlay permettra d'obtenir des fonds. D'accord, ok. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai rajouté les sous-titres. Comme ça, si jamais le son n'est pas assez fort, eh bien, vous pourrez suivre quand même les dialogues. Alors, j'ai bien envie de faire la campagne en mode brutal. Ouais. On va faire en mode brutal. C'est parti, les amis. Je suis un ouf. Je suis un malade. On dirait que ce vieil avant-poste n'a rien de spécial. N'excite pas, petit. Ça fait des mois que les ingénieurs du Dominion creusent ici. Tu vois cette grue ? Ça c'est gros. À des guerres pires avec l'artefact qu'ils ont trouvé. Bon sang, mais c'est vrai. Tu vois, faut avoir un peu plus la foi, Jimmy. Très bien. Sacré Ticus. On va se rappeler aux bons souvenirs du Dominion. Anéantissons cette base et emparons-nous de ce joujou. Alors, on va devoir attaquer une base terrane, il me semble. Mais ennemi, bien sûr, parce que nous, on est dehors la loi. Enfin, pas ennemi, mais... Nous sommes dehors la loi, si vous ne vous en souvenez plus. Nous sommes... alors, comment il s'appelle ? Jim Raynor, voilà, un révolutionnaire qui lutte contre Arcturus Mensk, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et donc, on mène notre petite révolution à travers la galaxie. Ah oui, alors... on fait tourner le matos. Je vais pouvoir vous en parler. Pour ceux qui jouent à StarCraft, Donc vous avez pu voir qu'il y a eu une... Il va nous falloir beaucoup de Marines avant de pouvoir attaquer l'avant-poste du Dominion. Formez-les à la caserne. Tant qu'on y est, des VCS supplémentaires nous aideront à collecter le minerai plus rapidement. Formez-les au centre de commandement. Vous m'avez fait peur. Alors donc je disais, pour ceux qui jouent à StarCraft, ils ont pu remarquer qu'il y a eu une mise à jour plutôt importante hein, puisque ils ont complètement changé l'interface. Ils ont amélioré de nombreux points comme par exemple, vous voyez là, les indications au-dessus avec les ouvriers, ça y était pas avant. Ici on a un onglet pour sélectionner les ouvriers inactifs et toute l'armée, ce qui est vraiment
très pratique. Attendez, je vais faire des Marines pour commencer. Ils ont amélioré plein d'autres choses, mais j'ai oublié. Je vous redirai, je vous ferai un petit point là-dessus. Je regarderai ce qu'ils ont rajouté dans la mise à jour. Ils ont amélioré dans l'interface du menu principal, tout ce qui est communauté, avec les clans et tout ça. Enfin, moi je m'en fous un petit peu. Hein. Mais non, ce qui est bien, c'est que par exemple, là, alors je sais plus si c'est dans la campagne ou que en escarmouche, mais en tout cas, apparemment. Les VCS maintenant récoltent, enfin pas que les VSS, mais on va prendre comme exemple les VCS, récoltent automatiquement du minerai en début de partie. Alors ça c'est plutôt pratique, hein, quand vous faites des parties en multijoueur, ça aide bien, ça aide à être vachement plus rapide et plus réactif. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant, comme dans tous les débuts de partie de StarCraft 2, on fait des VCS. Pour récolter du minerai et du gaz Vespen. Ah, on se fait attaquer. Ah oui, alors j'ai mis en brutal, résultat on risque de se faire attaquer plutôt souvent. Je vais reconstruire une caserne. Voilà, des heures sup, ouais, exactement. Donc pour ceux qui jouent pas à StarCraft et qui aimeraient se lancer dedans, hein, ou alors qui débutent, hein, tout simplement. Pour bien débuter en début de partie, donc faut créer des VCS pour récolter du minerai, mais attention. Bon là je suis pas en escarmouche, donc ce sera pas tout à fait pareil, mais faut jamais, c'est un conseil, hein, faut jamais avoir une file d'attente. Si vous voulez, quand vous créez des VCS, faut jamais avoir une file d'attente, parce que si vous voulez, ça vous enlève des ressources que vous pouvez utiliser pour autre chose en fait. Si vous voyez le principe, hein. Donc c'est vachement plus optimisé d'en faire un par un. C'est pour ça que dans ce cas là on va mettre, vous voyez, on va cliquer sur le centre de commandement, on va taper sur la touche en haut là, les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 plus machin. Hop. Non, attendez. Alors je sais plus comment on fait. Ah oui, shift 1. Ah voilà. Pour mettre les bâtiments en raccourci, il n'y a rien de plus simple. On va construire un laboratoire technique ici pour faire des médics. Ici, on va faire des Marines. On va reconstruire une caserne. Voilà. Et donc, je disais, pour mettre un bâtiment en raccourci, il vous suffit de cliquer, d'appuyer, pardon, sur Shift et le numéro que vous voulez. Hein. Bon, là, j'ai mis 1. Et ici, on a notre petit centre de. Qu'est-ce qui se passe? Le Dominion attaque une base rebelle au sud. Ah, on a une base rebelle, va falloir aller les. On va nous lâcher un peu comme ça. Ces gars ont besoin de notre aide, Ticus. On va pas les laisser pourrir ici. Alors, on ramasse les petits. Alors, ils ont des médicites, ça commence à être un petit peu plus sévère. On va en faire. Bon, là, c'est vrai que par contre, que j'ai dit qu'il fallait pas avoir des files d'attente. Et je fais que ça. Alors, oui, je vous donne pas un bon exemple. Là. Alors notre base rebelle, elle résiste. Hop. Voilà, on va les éliminer. Ok, nickel. Donc il y a des. Ah merde. Ah, j'avais pas vu. Le mec, il a les éclats de balles dans le casque. Il avait un smiley aussi, je sais pas si vous avez remarqué. Hop. Donc ici. J'espère que c'est du sérieux. Voilà. On produit toujours. Hop. Vous m'avez appelé ? Medikit. On va faire un centre de commandement pour augmenter notre capacité. Qu'est-ce que je voulais faire aussi ? Alors. Ah oui, alors donc, quand vous avez mis votre bâtiment en raccourci, vous appuyez sur la touche et vous appuyez sur S pour produire des VCS. Voilà. Comme ça, ça vous permet de, en faisant autre chose, bah, simplement de le faire très rapidement. Voilà. Bon, moi je gère pas très bien ça parce que je suis pas très fort à StarCraft, hein. Mais bon, pour les unités, vous pouvez en faire, hein, c'est pas très très grave. Pour les VCS, moins, mais. On fait tourner le matos. Pour les Marines, ça, vous pouvez le faire. Donc ici, on a nos objectifs, détruire la base du Dominion ici même et sauver les rebelles. Donc, petite base.
On voit qu'il y a des petits cadeaux, des petits bonus de minerais et de gaz Vespen disséminés un peu partout sur la map. On va construire plus de dépôts de ravitaillement. Voilà. On va faire Où est-ce que vous avez mal? Médic. Allez, on va en faire une bonne grosse dose là. Hop, voilà. Go, go, go! Notre production est plutôt pas mal, hein. On amasse pas mal. Ah, on se fait attaquer. Donc. J'ai mis le jeu en brutal, là, ça commence à devenir sévère. Va falloir envoyer du pâté si on veut vraiment résister. C'est pour ça que je vais faire plus de casernes. Je vais faire des centres de commandement. Les consultations sont ouvertes. Allez, les médics ennemis se soignent entre eux. Ils sont intuables. Amenez-vous. Ah, il s'en va. Ah, il fuit le bougre. Les consultations sont ouvertes. Là, je vais me retrouver face à une énorme armée. Et eux, ils résistent toujours, hein. Allons-y. Ah, ils sont là. Ah, ils sont là, les bougres. On va. On se calme là-haut. Voilà. Et on a libéré la zone. Et voilà, on a des unités en plus. Point de sauvegarde. Bien content de vous voir. On est avec vous. Alors, j'en profite. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors. Bienvenue à bord, les gars. Alors, ils sont sympas. C'est l'équipe de Raynor. Ouais. Vous allez me laisser parler. On va récupérer tous les petits bonus. Vive Jim Raynor. Là, je sais, vive Jim Raynor. Bien reçu. Le Dominion peut laisser faire maître. Je confirme. J'attends que ça. Tout à fait d'accord. Les consultations sont ouvertes. Alors, on va produire des unités ici. Les on méchants, ils sont de ce côté. Ouais, c'est bon. Hey, vous excitez pas, les gens. Tourmenteur du Dominion en approche. C'est quoi ça, tourmenteur? Mauvaise nouvelle. Alors, on va construire. Hey, qu'est-ce qui se passe? Allez, hop. On produit des marines sans masse avec des médics. Voilà. Ok. Ah, les tourmenteurs, oui, alors. C'est le véhicule, ok. On va refaire un médic. Bon, on va pas tarder à aller. Bougez-vous, j'arrive. Aller rendre visite au Dominion. Bien sûr. Hop. On va refaire des VCS. Ici, il faut que je. Par contre, c'est dommage qu'on n'ait pas accès au réacteur qui nous permet de faire deux unités simultanément. Ça, c'est un peu chiant. On fait des médics. Bon, ça se présente plutôt bien, hein. Même en brutal. On produit des unités ici. Les consultations sont ouvertes. Les consultations sont ouvertes. C'est bien. J'ai failli attendre. Bon, allez, on va rassembler nos troupes là-bas. Nickel. Les consultations sont ouvertes. Ici, ça m'intrigue. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ici? Les consultations sont ouvertes. Un vieux pont. D'accord. Un vieux pont pété. Ah, mais d'accord, c'est ici. D'accord. Pourquoi pas? Bon, on va pas tarder à aller les attaquer. On va aller faire une attaque préventive. Hein. Sauver les rebelles, ça on l'a fait. Ah, les tourmenteurs ennemis, attention. Ils ne font pas le pouvoir. Ils font strictement pas le pouvoir. Enfin, ça m'a pué, ça. Ah, des bunkers. J'espère que le son est pas trop fort. Hein. Je sais que dans le premier épisode il était pas du tout assez fort, mais alors là je. Joli nettoyage. Dans mon cas ça hurle. Ouais, je avec sais. Mon talent et ton équipe, on ira loin. Le mec il se prend pas pour de la merde. Donc là on pète tout. Ah d'accord, il y a un tank. Wow wow wow, ils ont un tank. Alors, c'est le principal, on va détruire l'usine. Oh là 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 là. Ah, mais il y a un tourmenteur, j'avais pas vu. Oh là là, j'ai même pas réussi à le tuer. Bon, on s'est fait couiller. J'ai eu les yeux un peu plus gros que le ventre. Bon, on va faire des marines sans masse. Sauf que là, j'ai plus
une seule unité. On va faire des médics. Ouais, là ça s'annonce un peu serré. On fait tourner le matos. Ouais, on fait tourner le matos. Bon. Paré et prêt à tout. Par contre, ce que. Ici, voilà. On va faire ça comme ça. Je vais ramener des unités là-bas parce qu'ils risquent de m'attaquer. On sait jamais. Champ de minerai épuisé. Champ de minerai épuisé, bon, c'est pas très grave. J'ai failli attendre. Bougez-vous. Voilà, alors là, on voit que je produis du Marines à gogo, là. Bon, les medics, c'est pas très grave, hein. C'est moi que vous voulez. En fin de partie, quand ils sont un peu amochés, les types en face, c'est plus trop la J'espère peine. J'espère que c'est du sérieux. D'en faire beaucoup. Je vous suis. On va en faire pas mal. Bougez-vous, j'arrive. Hop, alors, on ramène les troupes là-bas au cas où ils nous attaquent. C'est moi que vous voulez. Notre production est toujours... Champ de minerai est brisé. Efficace. Pourquoi ? Ah oui, d'accord. J'espère que c'est du sérieux. Ah d'accord, en fait ici c'est... Champ de minerai est brisé. Ok, d'accord, alors ça c'est le nombre de minerais, je crois. C'est le nombre de minerais pouvant être exploités, voilà, par un certain nombre d'ouvriers. Là, on voit qu'il peut y avoir que, pour que ce soit optimal, il n'y a que 9, il y a que 9, il y a que 9 ouvriers qui... 9 ouvriers, c'est largement suffisant pour cette quantité de minerais, si vous voyez ce que je veux dire. Là, j'ai beaucoup trop de mecs, c'est pas du tout efficace. Le problème, c'est que je vais bientôt plus avoir de... Champ de minerai épuisé. Ça va être un petit problème. Alors, ces ordres, ils arrivent. Bon, alors on va faire une visite. Les consultations sont ouvertes. T'emballe pas, mon gaillard. Ah, ah. 5 sur 5. Oh là là, c'est plutôt bien fait ici, hein, cette zone. Go. Alors, je sais pas s'ils ont eu. Ah ouais, mais en brutal, c'est brutal. Hein. Ils se refont vite fait des. Ils se refont des. Faut péter la. On va tuer leur VCS. C'est quoi ça? Les incommenteurs, on va les détruire. Ils sont coriaces, on va détruire tous leurs VCS. Là, comme ça, ils sont tous réparés. Voilà. On va détruire leur caserne. Voilà. Eh, ils en refont, hein, ils sont tenaces. C'est quoi ça? Ah, c'est un... Bon, on va s'occuper de détruire. Allez hop, on envoie la cavalerie là-bas. On va rassembler nos unités plutôt ici, hein. Hop. Tac 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 tac. Pas assez de minerais. On va faire ça comme dans les livres. Pas assez de minerais. Eh oui, on a plus de minerais, on est à sec. Oh là là là. Ça serait pas de refus. J'espère ne pas avoir fait trop le con. J'ai failli attendre. On va faire ça comme dans les livres. J'espère que c'est ouais, du sérieux. Ouais, faut faire attention là. Meurs. On va aller détruire cette caserne. Alors, ces hommes, ils arrivent. Dégage. Affirmatif. Ça va chauffer. Et ça, ils réparent, hein. Ils réparent. Ils ont reproduit des VCS. Ah, ils sont vraiment chauds, hein. On va détruire tous leurs VCS. On va vite détruire leur. Hop, on envoie. Ouais, c'est bon, là c'est gagné. Là, y a pas de. Pas de doute. On va péter leur usine. Voilà, et maintenant on pète leur centre de commandement et. Parfait. On aura terminé, les amis. Ni caserne ni usine. Il suffit de nettoyer la zone et on peut rentrer au bercail. Voilà. Alors, faut tout détruire. On va faire ça comme dans les lignes.
Eh ben, il était temps puisqu'on avait plus de minerai. Ok, bah voilà. Accès au contrôle de la grue. Décryptage des codes de sécurité. Contrôle de la grue obtenu. Bien joué. Merveilleux. Maintenant, un coup de treuil pour choper cette saloperie et on se tire d'ici. Ouais, bien, bien, bien. Eh ben voilà. On a eu quoi au fait? On en a eu qu'un seul. Ah mince. C'était quoi ce note? Ah mince, j'ai pas le temps de voir. Oula, non, c'est pas ça que je voulais faire. On enlevait ça. Alors, sonnante et trébuchante, collecter toutes les palettes de minerais et de gaz à ramasser dans la mission hors la loi en mode normal. Ah, je les ai pas vus. Ah, dommage. Réussir la mission hors la loi en mode difficile en moins de 10 minutes. Ah, ouais. Bon, bah, je le referai hein, tout seul hein, pour avoir les hauts faits. Enfin, elle a quand même duré 22 minutes la mission. Et bah, c'est cool. Ok, oh là là, ben en brutal ils sont coriaces, hein. Mais c'est ça qui me plaît. Colline de Marsara. Ouais. Ok, crédit à dépenser. À dépenser, oui. Crédit à dépenser, on a des crédits. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Crédit à dépenser. Ah, crédit à dépenser. Raynor gagne des crédits lorsqu'il réussit une mission. Lorsque vous aurez accès à l'armurerie, vous pourrez dépenser ces crédits pour améliorer vos unités. Eh ben, c'est super, dis-moi, ça. Mais c'est génial. Bon, eh ben, écoutez, les amis, on va se laisser là. J'espère que cette mission vous aura plu. Laissez un j'aime, un petit commentaire. Et bien sûr, abonnez-vous si vous voulez voir la suite de cette aventure qui sera sûrement complètement épique, hein, franchement, vous ne le regretterez pas. Allez, salut à tous les amis, à la prochaine, portez-vous bien.